Bon allez, c'est parti, let's go chasser de la biquette. Bah ouais, de toute façon, on l'a vu chez tout le monde là, trop, on chasse les mammouths et tout, ça a été fait par tout le monde. Donc autant faire dans l'originalité. Bah tiens, on va même pas commencer par chasser de la biquette, on va commencer directement par chasser du loup, tiens. Regarde ça, mon vieux. Hein? Prends ça, mon vieux salopard. Alors, hein? Elle est belle, celle-là? Bon alors, je tiens à préciser que je suis quand même au tout début du jeu, hein. Je suis... Oh putain. Regardez le salopard, ça c'est la première fois que j'en vois un, par exemple. Ça par contre, c'est pas la première fois que j'en vois un facochère, là. Regardez-le, ce cochon. Regardez-le voir, regardez-le bien. Tiens! Regardez comment que c'est con, un chevreuil. Tiens! Prends ça, mon vieux. Hop, 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 va-t'en pas si loin, ça sert à rien. Qu'est-ce qui s'en va loin, mon vieux? Il me charge! Oh putain, il me charge! Oh, je délire! Tiens, prends ça, toi, mon vieux. Alors, dégage de là. Comment j'ai failli me faire déglinguer, mon vieux. Alors, un petit Far Cry Primal, bah ça fait bien plaisir. Au passage, merci à Ubisoft pour le jeu, c'est bien cool. Et regardez-moi ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment être un chasseur hors pair. Oh putain. Il m'a chargé? Oh putain, il me charge le con. Hein? Salopard! Je vais vous montrer comment être un chasseur hors pair. Tout d'abord, faut activer sa vision de chasseur, mon vieux. Bah ouais, tiens, regardez-le là-bas. Regardez-le, vous le voyez ce cochon? Regardez-le bien. Hein? Elle est pas belle celle-là? Tiens, tu vas prendre feu, mon cochon. Oui, ça sert à rien de gueuler comme un porc, mon vieux. Alors, est-ce que t'as chaud un petit peu? Tiens, bah, et puis il est déjà cuit, impeccable. Oh putain, mais il a tout cramé sur son passage, le cochon! Ce délire! C'est quoi ça? Ouvrir cache de récompense. La cache de récompense est un endroit où les ressources objets sont stockées. Trop fort! Regardez ça. Bon, bah, au début, je vous avais dit qu'on n'avait pas chassé le mammouth. Et finalement, hein, on va faire 2-3 flèches, mon vieux. Regardez-le bien, ce mammouth. Est-ce que j'ai moyen de me faire une petite lance? J'ai moyen! On va s'en faire une! Regardez-le bien. Déjà, on y va avec l'arc tranquillement. Oh putain. Non? C'est quoi ça? On verra ça plus tard. Regardez-le bien parce qu'on va y donner de l'élan. On s'approche tout doucement. On va y donner de l'élan, mon vieux. Regardez-le bien. Tiens! Prends ça, mon vieux! Et ça! Ce délire! Oh putain! Tiens! Prends ça, mon vieux. Mais putain, comment qu'il est costaud, mon vieux. Tiens, prends ça dans tes fesses de mammouth. On va l'enflammer. Tiens, prends feu, mon vieux. Tiens, prends feu, espèce de sale mammouth. On peut pas le faire prendre feu. Ah si, on peut le faire cuire, un petit peu. Qui c'est qui m'attaque? Qui c'est qui... Prends ça, espèce de salopard, va. Tiens, voilà, mon vieux. C'est mon mammouth, ça. Au dîner ce soir, mesdames et mesdames, un petit bout de mammouth. C'est bien cool. On va laisser ça cuire tranquillement, à feu doux. On reviendra quand ce sera bien cuit. Attends, par contre, il y a une flèche là. C'est à moi ça. Ça c'est ma flèche, mon vieux. Ça, je peux pas la récupérer? Espèce de salopard. Naissance du Frasrawa. Lieu découvert. Ah bah impeccable. Oh, regardez ça. Champignon. Je prends. On va retourner à la chasse. Bien gentiment. Écoutez, écoutez. Je m'y connais. Je m'y connais là-dedans. Je peux vous dire que c'est un élan. Un beau mâle. Un mâle. Je dirais approximative entre 80 et 95 kilos. Regardez-le. Regardez-le voir, il est là. Regardez-le. Regardez-le bien, ce cochon. Hein? Une flèche dans le museau, mon vieux. Alors? Hein? Ouh, salut, toi. Tiens. Oh, comment qui... J'enflamme mes balances. J'ai le feu, mon vieux. Arrière. Tiens, prends ça. Ah, ils aiment pas ça, le feu, les bestioles, mon vieux. Ils aiment pas ça. Donne-moi ma viande. Par contre, ce qui est chiant, c'est que quand je mets un coup de lance, bah, j'ai l'impression que j'enflamme tout sur mon passage, quoi. Ouh, tiens, regarde voir. On va confectionner un petit sac à viande. Ça va être bien cool. Le transport 3 appâts. Ah bah, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. C'est bien, ça. Oh. Tiens. Prends ça, c'est le prix, mon vieux. Espèce de saloperie, moi. Donne-moi ça. Ça, moi. Oh là là, vas-y, vas-y, viens. Viens, je t'attends. Je vais charger mon coup. Tiens. Ah putain, mon vieux, je l'ai pas loupé celle-là. Hein. C'est quoi ce machin là? Hein? Tiens, c'est quoi ça? Ah, c'est. C'est bien. Ah non, c'est pas ce que je pensais. Votre sac ne peut plus contenir cet objet, Silex. Très bien. Et oui, je parle encore beaucoup du nez. Ouais. Je suis encore bien malade. J'ai l'impression de parler comme un canard, mon vieux. C'est quoi ça là-bas? Ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir lui là, monsieur le chaman. Au passage, je vous montre un petit peu la carte si vous voulez voir. Ça a l'air quand même relativement
relativement grand. Hein? Alors oui, j'ai pas découvert grand chose, hein. Franchement, j'ai découvert qu'un vraiment un tout petit bout, quoi. Tiens, on va aller voir lui, là. Le chaman. On va poser un point de repère sur sa gueule, mon vieux. C'est parti. Ouh, bah c'est qui? Il a l'air... Oh, regardez-le. Regardez-le comment il court, ce machin. Il m'a... comment qu'il attaque, mon vieux. Ouh, je vais le laisser. Attends. Je vais juste y tirer une petite flèche. Histoire de dire que... je l'ai bien eu. Par contre, je laisse les mammouths tranquilles. Hein. Alors l'autre, par contre, il a perdu son pote. Il continue normal, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Eh, t'as perdu ton pote, mon vieux. Je te dis ça comme ça. Hein. Tiens, regardez-le. Tiens, prends ça, mon vieux. Alors, ça te fera les potes. Donne-moi ma lance. Tiens, ça, je ramasse. Ça, c'est de l'ardoise. Ouais, parce que dans ce Far Cry, il faut ramasser plein de ressources pour crafter ses armes et tout. Ouais, c'est un petit peu comme dans les autres, hein. Fallait ramasser des objets pour pouvoir améliorer les trucs. Tiens, donne-moi ça. Et là, le chaman? On va faire de la lumière un peu. On voit rien là-dedans. Il est bizarre. Esprit fort, esprit fort. Tu es l'élu. Ah oui, je sais. C'est pour ça que j'arrive, mon vieux. Non, pas ce pauvre rat. Mon dieu, seigneur. Mais il est vachement dégueulasse, lui. Il veut que je bois ça, en plus. Oh, le taré. Oui, c'est dégueulasse. Vision bestiale. Très bien. Comment c'est joli, ça? Oh, bonjour. Je suis en train de voler. Ah ouais, je suis carrément en train de voler. On va le suivre. En tout cas, c'est super beau. Waouh. C'est de toute beauté par ici. C'est de toute beauté. Regardez-les. Ces bandes de salopards, là, ils me font rien, hein. Mais je suis sûr... Oh, putain. Je suis sûr que plus tard, tout ça, ça va m'attaquer, ça, hein. J'apprivoise le hibou. Yes. Ça y est, c'est bon, c'est fini. Je peux y aller. Et hop. Je me casse. Tiens. Prends ça, salopard. Oh, putain. Regardez-les voir, là-bas. Vous les voyez là-bas? Hein? Regardez, regardez-le bien. Hein? Ça fait mal? Ça pique un peu ou... Elle pique celle-là? Et celle-là elle pique? Hein? Eh ben voilà, c'est bon. Il est taré lui. Ben vous êtes complètement taré les gars. Tiens mon vieux, prends ça. Bon, je me soigne. Perfectionner la griffe grappin. Ah ouais? Ah, la griffe grappin c'est ça. Ah ouais, bah je peux pas la faire. Je sais pas ce qu'il faut. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais descendre en bas. Non! Par contre, je voulais... Oh, quoi que tu me diras. Je voulais pas descendre comme ça, mais... Ça marche plutôt pas mal. Tiens, je vais te détacher, mon frère. T'inquiète, je suis là. Vas-y. Merde. T'inquiète pas, j'ai mon gourdin. Regardez-le, lui. Regardez-le. Ah non, c'est mon pote. Ok, c'est mon allié. Très bien. Faut que je fasse quoi, alors? Faut que j'aille où? Quoi? C'est qui? Ah! C'est toi! J'arrive, les gars! Tiens! Tiens! On m'appelle Robin des Bois, mon vieux! Tiens! Tiens! Prends ça, mon vieux! Hein? Oh, comment qu'il est en train de se faire défoncer par les sangliers! Tiens! 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 Et tiens! Et c'est mon copain! Tiens! Prends ça, mon vieux! Gourdin chastis sanglant! Tiens, je vais en faire un deuxième! En fait, qu'est-ce qu'il veut, lui? Hein? Ah, d'accord! Fallait juste que je le détache! Ok! Regardez ça. Mon instinct de chasseur va reprendre le dessus. Regardez-là la biquette là-bas. Regardez-la bien! Regardez-la bien la biquette là-bas. Tiens! Hein? Elle est pas belle celle-là? Oh, regardez-les voir lui là-bas. Regardez-le. Regardez-le bien. Ah non, c'est mon pote. Ça va, c'est mon pote, c'est mon pote. C'est quoi ça? J'entends un grognement. C'est ça? Tiens, vous inquiétez pas les gars, j'arrive. Regardez le mammouth. Oh, il est petit. On va se le faire, il est tout petit. Ouh! Il est tout petit, hein? Quand même, hein? Mais dégage, putain, le mammouth là. Tiens! Prends ça, mon vieux. Regardez, il est en train de prendre feu. C'est bon, c'est tout bénef pour moi, ça. Ouais, il prend feu, il prend feu. Tiens! Prends un gourdin dans la gueule. Oh, putain, c'est la nuit. L'obscurité de la nuit rend le monde bien plus dangereux. Bah ouais, tu m'étonnes, mon vieux. Tiens! Prends ça dans la gueule, mon vieux. Oh, c'est délire. Comment qu'il m'a niqué? Bon, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Et bien, si vous voulez qu'on reparte à la chasse à la biquette, à l'ours, à l'éléphant, au mammouth, ou je ne sais encore quoi d'autre qui a chassé, et bien, vous mettez un petit like sur la vidéo et ça me fera plaisir. Et puis, on retournera ensemble à la chasse. Allez, en attendant, moi, je vous dis ciao tout le monde. Bye.